Salut les potos, Porto 95 Gaming avec le poteau Rico Saxo. Voilà, c'est lui, il est là, toujours là. Donc là, pour ce glitch, faut avoir le même bunker. On a tous les deux le même bunker de la ferme. On est en session sur invitation. Dans votre centre d'opération, vous avez uni les guides. Votre centre d'opération doit être sur les paramètres module, dépôt, véhicule personnel, les potos. Ok, donc là, on va monter. On va rentrer dans ce bunker. Donc là, mon pote, il est dans son bunker. Moi, je vais me bugger dans mon bunker. À l'intérieur. Donc là, vous montez dans votre véhicule, les leggy. Vous maintenez start enfoncé. Là, ce qu'il faudra faire, c'est appuyer légèrement sur R2 et relâcher start. Là, j'ai pas réussi. Faut vraiment que ça soit légèrement sur R2. Donc là, c'est pas grave. On re-rentre la voiture. Au moins, ça permet de voir si vous vous loupez. Allez, c'est parti. On commence. Allez, on maintient start. Donc on va appuyer légèrement sur R2 et on relâche start. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir, le menu options qui s'allume. Là, je me mets dans pack dans monde criminel. J'ai un écran noir, je lance une activité race online et je refuse. Là, la voiture elle a disparu. Là, par contre, je vais rentrer dans le pack criminel et je vais y rester 5 secondes. Voilà, 5 secondes. Là, je fais rond. Bon. Là, il suffit que je fasse rond pour enlever le menu options. Une fois que je ferai rond, il faut absolument ouvrir son pavé d'interaction. Ok, allez, c'est parti. Rond, pavé d'interaction. Voilà, ouvert. On se dirige vers la porte. On fait rond et croix. On va avoir un écran noir avec un chargement en bas à droite. Là, vous lancez online, on refuse. Là, on est complètement bugué. Pour se débugger, on fait start. En ligne, pack d'entrée dans le monde criminel. Bon, 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 on se suicide. Ça a pour but de nous faire apparaître au doc. Et votre pote, lui, il est dans son bunker. Voilà. Ok. Donc là, Rico, ce que tu vas faire, tu vas te mettre en président, motard, et tu vas me recruter. Ouais, en club de motard, tu te mets en président et tu m'envoies une invitation pour me recruter. Voilà, mon pote, il m'a envoyé l'invitation. Et lui, ce qu'il va devoir faire, là, il faut que tu te mettes, tu sais, sur le message démissionner. Tu sais, sur l'écran noir, quand tu démissionnes de club de motard. Tu as démissionné? Ok, d'accord. Voilà, c'est ça. Et quand à mon signal, quand je te dirai démissionne, bah tu démissionneras. Donc moi, voilà, moi j'accepte son invitation. Voilà, je suis aspirant. Là, ce que je fais, je vais lancer une mission créée par Rockstar, n'importe laquelle. On a plus l'habitude de mission des Titans, alors je vais lancer Titan. Je lance Titan. Une fois que j'aurai quitté Titan, je vais avoir deux écrans noirs. Au deuxième écran noir, je dis à mon pote quitte. Pour qu'il démissionne. Donc là, moi, je fais rond, je quitte. Premier écran noir, on attend le deuxième. Vas-y, quitte. C'est bon. Voilà, mon pote, il a quitté. Ça a pour but que j'atterrisse dans son bunker. Voilà, je suis ici. Ok. Donc là, prochaine étape, moi je vais aller voir son mécano et je vais faire flèche de droite. Lui il aura juste à, une fois que je serai au mécano, il aura juste à rentrer à l'arrière de son centre d'opération et faire rentrer avec tout le monde. Donc moi je vois le mécano, voilà, j'ai le menu flèche de droite et là lui il va rentrer à l'arrière de son centre d'opération et rentrer avec tout le monde. Ça a pour but de faire disparaître son centre d'opération et lui aussi. Voilà, nickel. Là il va disparaître, ok. Donc là, ce que je fais, à partir de là, je me resuicide. Je vais apparaître au doc.
moi je peux ressortir du centre d'opération. Ouais, là tu peux ressortir du centre d'opération, ouais. Ça marche. Donc là, moi je me mets en sécurité réserve. Surtout, ne sollicitez pas un véhicule personnel, sinon vous allez casser votre glitch. Voilà, véhicule de PDG, Buzard. On sollicite un Buzard. Ah, il est tout en haut. Ok, on va aller le chercher. Après, c'est une question de timing, hein. En temps normal, quand on récupère le véhicule, c'est 23 secondes. Après, il se peut que pour certains, ça soit un peu plus. Donc, à vous de voir quand est-ce que vous avez l'écran noir, quoi. Vous comptez, vous mettez un, vous prenez un chronomètre et vous essayez de gérer tout ça. En tout cas, le glitch, il fonctionne. C'est vraiment pour ceux qui veulent récupérer et finaliser bah, leur collection de voitures, quoi. Donc là, moi, je vais aller à mon bunker. Voilà, une fois arrivé au bunker, vous démissionnez, hop, démissionnez. Et là, très important, vous allez solliciter la voiture de votre centre d'opération mobile, demander véhicule personnel. Là, il faut qu'on la bug. Si tu veux, tu peux sortir du bunker, hein, Rico. Ouais, essaie de sortir de ton bunker au cas où, on sait jamais. Comme ça. Voilà, ok. Donc là, moi, je vais rentrer dedans, je vais avoir la cinématique à l'écran noir, je lance mon activité récente. Maintenant, voilà, je suis bugué comme ça. Start en ligne, on va sur le pack d'entrée dans le monde criminel. On reste là et on attend que le chargement à barre à droite il disparaisse. Pour certains, ça va rappeler ben, le fameux glitch du bunker de duplication. La voiture va être en wallbreach sur la map. Voilà, pack d'entrée, j'accepte, je fais rond, rond, rond,
Voilà, là je fais triangle pour sauter du véhicule. Que je tue pas mon pote avec la voiture, je sais pas où elle va tomber. Voilà, elle tombe là. J'ai bougé 2 secondes avant. Grave. Donc là, je vais monter à l'intérieur. Mon pote il va monter côté passager. Voilà. Là la voiture elle roule. Si vous voyez que la voiture ne démarre pas, vous sortez du véhicule, votre pote il va prendre la voiture et après il ressort et de là pourrait la conduire. Là, je vais mettre mon pavé tactile, je vais mettre ici au niveau du point jaune. Ce que je vais devoir faire ici, c'est faire rond pour enlever le pavé tactile et triangle pour sortir du véhicule. Rond, triangle. Voilà, normalement il doit avoir la cinématique du bunker mon pote. Moi j'ai la cinématique. Voilà, j'attends que la voiture disparaisse. La cinématique elle rentre dans le bunker. Voilà, la voiture elle a disparu. Là mon pote il ressort du bunker et moi je rentre dans le bunker. Là je ressors sans véhicule. Ouais. Là je vais me rebugger une fois. Là ce que tu veux, si tu veux, tu peux aller au dock si tu veux. Et me poser, tu demandes ton mock et tu me poses n'importe quel véhicule là-bas. Voilà. Voilà, moi je rentre ici, pareil. Je fais flèche de droite. Après cinématique, j'ai un écran noir, je fais une activité récente. Bon. Et là, je fais start en ligne. Je retourne dans le pack d'entrée dans le monde criminel et j'attends que le chargement y disparaisse aussi. Salut Rico. Salut. Salut toi. Oh les gars, j'ai un sur GTA. Là je vais au dock. Hein. Ouais, tu peux aller au dock. Ouais. Je vais n'importe où sur le dock. Ouais mais toi d'habitude là où on se met d'habitude là quand tu demandes le centre d'opération. Ouais, c'est les deux bordeurs à peu près là. Là où t'as toutes les activités là. Ouais, les 4 activités. Là j'ai pris la Deluxe et j'y vais. Ok. Donc là je fais croix. Pour pack criminel. On. Et je me suicide. Et je vais apparaître au doc. Voilà, là je suis au dog, j'ai juste attendre que mon. Je vais aller prendre l'activité. La Deluxe, il manque un turbo quand même. Ok, attends, je vais voir si je t'invite dans l'activité, comme ça peut-être que ça ira plus vite. Flèche de droite. Là je suis au niveau du complexe de. Du lac. Ok. Il y avait du monde dans l'activité. Je vais essayer d'en prendre une autre. Voilà, là je suis tout seul. Confirmer paramètres. Membre de mon parti. Tiens, je t'invite. Tu me dis comme ça, je t'exclus direct. Tac. Exclure. Ok. Et moi, je quitte. Voilà. Là, on va aller vers le fond. Mon poste puisse demander son centre d'opération. Voilà. Moi je vais préparer mon chronomètre parce qu'on va en avoir besoin. Donc là je me mets là, mon pote il va se mettre à côté de moi, comme ça il pourra demander son centre d'opération. Et une fois que son centre d'opération il sera là, il demandera le véhicule qu'il veut me donner.
Là, je lui ai demandé qu'il me mette n'importe quel véhicule. C'est pour vous montrer que bah, ça marche super bien. Après, il y a des fois où vous ne récupérez pas la voiture, ce qui fait que le timing n'est pas adapté au vote, ou soit c'était une seconde trop tôt ou une seconde trop tard. Alors essayez d'être vraiment pointilleux sur ça pour récupérer les véhicules. Donc là, au centre d'opération, il est là. Là, préparez un chronomètre avec vous parce que vous allez en avoir besoin. Généralement, c'est au bout de 23 secondes qu'on récupère la voiture. La plupart des gens, ils vont avoir 23 secondes. Mais il se peut, des fois, bah, qu'à 23 secondes, bah, ça marche pas pour vous, quoi. Des fois, peut-être que vous allez l'avoir à 26 secondes. Ça dépend des sessions, ou ça dépend aussi peut-être de la connexion internet de chacun. Moi, ça m'est arrivé au bout de 23 secondes de pas l'avoir. Mais généralement, c'est 23 secondes pour tout le monde, quoi. Des fois, il se peut que bah, dans certaines sessions, bah, ça bug et le timing il est différent. Ok, donc là, je vais aller chercher la voiture. Et je vais aller la placer et mon pote, il va m'inviter dans le centre d'opération. Voilà, je vais sortir le chronomètre. Là, je demande à mon pote de m'inviter dans le centre d'opération. Et avant ça, n'oubliez pas, faites l'activité au cas où. On sait jamais si c'est peut-être le timing, si il est peut-être dû au fait que vous prenez l'activité ou pas. Donc je l'ai prise par précaution. Une fois que vous êtes dedans, bah, vous la quittez. Donc là, voilà. Là, mon pote, il va pouvoir m'inviter. Écran noir, activité récente, croix rond. Deuxième écran noir. Pareil, activité récente, croix rond. Et là, on se met sur start en ligne, pack d'entrée criminelle. Là, on va spammer croix. Et le chronomètre, vous allez le mettre quand seulement le pack d'entrée sera grand ouvert. Ok? Surtout, c'est ça le plus important. Donc, on attend. Maintenant, vous mettez le chrono, les poteaux. Là, vous faites rond, rond, rond. Et on n'a plus qu'à attendre les 23 secondes. Donc là, en faisant la vidéo, j'ai dû remettre un chrono, un autre chrono. On va voir si c'est au bout de 23. Là, j'arrive à 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voyez, c'est juste le fait qu'il fasse le geste pour mettre la main à la portière qui va vous aider à récupérer la voiture. Et là, bingo. One shot, les poteaux. Ok. Donc là, la voiture, elle est sauvegardée. Hein. Vu que le centre d'opération, il sauvegarde normalement tous les véhicules. Avec ce glitch, vous pourrez récupérer bah, les véhicules spéciaux, les avions, ce que vous voulez. Après, il faut juste respecter le timing. Moi, je vais la sortir et la re-rentrer. Mais normalement, vous n'aurez pas besoin de faire ça pour la sauvegarder. Donc voilà, ça c'est pour mes abos, pour qu'ils aient une technique pour récupérer les voitures. Partager à la base de nom de véhicule, c'est censé être un partage des poteaux. Aider ceux qui n'ont pas de voiture. Ok les poteaux, sur ce, je vous dis à très bientôt les poteaux.
Merci à vous d'être là au quotidien avec moi. Et je vous dis à très bientôt les potos. Et merci Rico.